Seconde journée de grève pour les pilotes de la Lufthansa. La compagnie allemande a dû annuler près de la moitié de ses liaisons prévues lundi et mardi. Et après les vols courts et moyens courriers hier, les vols longs courriers sont également touchés aujourd'hui. Autour de 150 000 passagers restent sur le carreau. Nous vivons malheureusement notre 9e grève cette année et nous constatons à chaque fois une baisse des réservations dans les jours qui suivent, explique la porte-parole de la compagnie. Mais apparemment, nous avons aussi des clients très fidèles, mais il ne faut pas trop leur en demander. Les pilotes se battent pour conserver leurs confortables conditions de départ en retraite. La grève est prévue jusqu'à minuit. Les arrêts de travail ont déjà coûté 160 millions à la Lufthansa.